Salut à tous les amis, c'est Seb et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série, enfin série, pas vraiment, le début d'un let's play. Un let's play sur quoi? Sur FIFA. Non, je déconne. Non, ok, c'est pas drôle. Un let's play sur un jeu de sport. Un jeu de sport qui n'est pas un jeu de foot. Un jeu de sport qui n'est pas un jeu de hockey. Un jeu de sport qui n'est pas un jeu de baseball. Un jeu de sport qui n'est pas un jeu de tennis. Ok, j'arrête. Non, allez, sérieusement. On se retrouve sur... Tadam! Va-t-il s'afficher? Donc, moi, je vous le dis, c'est un jeu que je kiffe. Pour moi, c'est la meilleure simulation de sport qui existe pour le moment. Par contre, c'est pas le 2015, c'est le 2014. J'ai pas le 2015, mais le 2014 est très très bien aussi. Tadam! Toujours pas. Tadam! Non plus. Oh putain, j'ai mis le disque en plus. Putain, la Xbox m'a mis avant. Je le remets là. T'as pas le droit de me faire ça, hein, la Xbox là. Tadam! Allez, s'il te plaît. Ah, on se retrouve sur NBA 2K. 14. Autrement dit, NBA 2K14. C'est bien ça. Et alors, NBA 2K, donc jeu de basket, hein, avec la licence, la NBA, le championnat de basket qui fait rêver tous les basketteurs. Même moi, hein, je fais pas de basket, mais franchement, j'aime bien. Ce jeu-là, je l'avais acheté à Micromania. On avait de l'argent et je fais à mon frère, ouais, on achète NBA. Et l'argent qui reste, tu choisis le jeu que tu veux. Et il était pas trop pour. On l'a acheté. Moi, c'était par simple curiosité. Le jeu me tentait. Je me dis pourquoi pas essayer. On a essayé. Et là, c'est un putain de jeu de ouf. Je vous le dis clairement. Franchement, si vous voulez une simulation de basket ou même de sport, si vous n'avez pas de sport particulier, mais foncez, 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 prenez ce jeu. Bon, certes, on a parlé un peu de NBA 2K, maintenant on va peut-être parler un peu du let's play. Alors le let's play, on va le faire dans la catégorie de carrière mon joueur. Donc en fait on crée notre joueur et on suit sa carrière dans le monde de la NBA. Et ben on va commencer ça, ma carrière. Géré sélectionné, on va en faire. Ou allez, on va supprimer celui-là. Non, allez, on va en faire un nouveau pour pas supprimer mon ancien fichier. Et donc là, vous allez pouvoir découvrir. Alors, pivot, en vrai, les rôles, je ne les connais pas. Meneur de jeu, ils sont plutôt petits. Arrière, ailier. Breaking. Je vais mettre ailier fort. 2m08, c'est pas mal. Allez, 102. Surnom, la légende. Le gamin, la machine, magicien, mère, monstre naturel. Le prophète. Je suis le prophète. Oui, aussi, la bande-son est géniale. Mais ils vont certainement me coller des droits d'auteur. Vu que c'est des vraies musiques. Bon, c'est pas grave, hein, on verra bien ce que ça donne. Je baisserai le son, je mettrai pas très fort. Z. Mon surnom est Z. Big Daddy. Franchement là je sais pas quoi mettre. Cowboy. Surnom MJ, Michael Jordan, non je crois pas. La feinte. L'allumette, Speedy, T, la bête, bulldozer. Alors, on va mettre le capitaine numéro, on va mettre numéro 25, qui est le numéro de mon département. Ou sinon, on peut mettre 99, mon année de naissance, 1999. Provenance. Alors, provenance, provenance. Donc, dans provenance, vous pouvez choisir un pays ou alors c'est les universités aux États-Unis. Moi, je vais aller chercher la France. Je sais qu'il y est. Donc, vous voyez là, je connais pas la preuve. Ce que veut dire les abréviations, enfin je connais quelques-unes, UCLA, University, sauf que je sais plus en fait ce que veut dire le C, mais c'est of Los Angeles. Mais bon, allez, on va aller France.
Donc c'est ordre alphabétique France. Ah non, c'est pas ordre. Ah, France, voilà. Main dominante, droite. Main dominante pour les dunks. Ben, droite, année de naissance. On va mettre qu'on est jeune. Longueur des bras, 50, 50. Allez, c'est normal, on va pas faire un mec extraterrestre. Et on va se taire, là. On va écouter. Donc, il y a les sous-titres. Starts with me. This is my story, and I ain't gonna let nobody write it but me. My career, my legacy begins right here, right now. 2K Sports Present. Donc, j'ai les habits des jazz, voilà. MC My Career avec Sébastien Verdier. Donc, voilà, mon identité a été révélée. C'est malheureux. Donc, les graphismes sont pas mal, hein. Par contre, les voix sont en anglais, mais c'est sous-titré. C'est plus immersif. Man, I've been looking all over for you, man. Should've known you'd be here. Yo, man, just putting in some work. What up, man? This is what's up. Bam! Yo, is that what I think it is? The NBA Rookie Showcase, New York City, baby. That's the shot we've been waiting for. Step from the NBA. Hey, look, man, this is exactly the shot we needed, man. You bring it in the showcase, and you are guaranteed to go in the first round, man. Guaranteed. You know I'm gonna be ready, man. That's why I've been out here for the past 2 hours putting in this work. Yo, man, this is what I've been fighting my whole life for. Hey, man, you earned it. You deserve it, man. You about to light up the stage and play your way right to the big show. Yo, man, you just trying to get that fat agent's fee, man. Hey, whoa, whoa, whoa. Look at me, dawg. Look at me. You know it ain't got nothing to do with that. I'm saying this because I'm a fan, man. I believe in you. Alright, man, I'm feeling you. Well, look, I got 3 weeks to get out there and do my thing, so why don't you roll out? Let me get back out here, do what I do best. Hey, unless you want to hang around Shaq's balls. Do what you do best. Oh, that's a low blow. Especially since I remember a certain city championship, huh? Where yours truly saved the day when you went out with foul trouble? Yo, man, that was the sixth grade, man. Alright, man, I'm gonna give you that one. Alright, man, yo, I'll catch up with you later, alright? I got some calls to make, including planning our trip to NYC. Alright? Hey, don't burn yourself out now. We need you fresh. Ain't happening, man. I was born for this, man. I'm ready. En avion, en route pour la présentation des rookies. Donc les rookies, il y a des termes un peu spéciaux. Je vais vous dire ce que c'est un rookie. C'est tout simplement un débutant, si je me trompe pas. Mais ouais, c'est ça. Donc, présentation des rookies. Donc, en gros, c'est un match où il y a tous les jeunes et ensuite les équipes vont drafter. Drafter, c'est quoi? C'est un terme assez spécial, enfin assez assimilé au sport aux États-Unis. C'est on draft et ben on choisit quel jeune vient dans notre équipe ou quoi selon des tours. Voilà. Donc j'ai des habits des jazz, oui, je sais pas si je l'ai déjà dit, parce que j'ai des habits des jazz parce que ouais, j'avais fait une carrière précédemment et je jouais au jazz. Donc là on va continuer. Vestiaire avant la présentation des rookies. Hey, how you doing? Ready to get out there and show them what you made of? Yeah, ready as I'll ever be, coach. Look, I don't need to tell you this is a huge opportunity for you and everyone else playing this game. You make a good impression, you'll be a lock for the first round. Don't get ahead of yourself.
Right now, just focus on playing your game and showing everyone what you can do. Donc, concentre-toi sur ton jeu et montre à tout le monde ce dont tu es capable. Que je suis prêt, quel temps de jeu puis-je espérer? Je demandais ça. Oh, most definitely. But hey, listen, coach. How much run am I going to get out there tonight? I mean, I know I got to show off my skills, but I got to be on the court as much as possible to make that happen, you know? Listen, don't get distracted thinking about minutes. Just be ready when your name is called and take advantage of every second you get out there. You got it? Yeah, I got you, coach. Now, I want to talk to you one more time about Jackson Ellis. You guys play the same position, so you'll be matched up for most of the game. Scouts will be watching the two of you closely to see who'll make the better pro. I can tell you firsthand, he's not a player you want to take lightly. You up for the challenge? Please, Ellis can't hang with me. He's going to make me look better in front of the scouts. Easy money, if you know what I'm saying. Confidence is good, but don't say I didn't warn you if Ellis starts making you look silly out there. We got a game to play. Donc vous pouvez voir, ça, la carrière a un aspect assez scénaristique. Donc voilà le Jackson Ellis. Hey man, you ready for this? What's up, Jackson? Yeah, I'm ready. I didn't expect to see you till we got out on the court, though. Yeah, well, it looks like they're gonna have us match up for most of the game, so I just want to let you know I ain't gonna be taking it easy on you. On met ça, Snipper. Not expecting you to, man. This is a big night for both of us. Hey man, I've seen enough of your game to know that me and you are gonna be competing for the same teams. So we just gotta go out there, do what we do best, and see how it all plays out. Feel me? All right. Take the easy way out then. You might not want to do that on the court though, or I end up owning you out there. Hey, how's it going, Jack? I think they're ready for you out there. Oh, this is your agent. Good luck with that, bro. Ok, ça va se fight avant le match. Don't let him get in your head. Hey, focus on the game. We'll be seeing plenty more of him in the future. Je lui dis que ça va. Reste concentré sur le jeu, on n'est pas prêt de se débarrasser de lui. Je lui ai montré à celui-là, voilà. On the court. Voilà, Verdi 99. Bouh, futur champion de NBA. Enfin, j'espère, hein. J'espère. Play your game. You feel me? Yeah, I feel you. Thanks, dog. Donc, par contre, on contrôle un seul joueur durant le match et c'est notre joueur. Les autres sont faits par l'ordi, par l'IA. Et on est noté, donc selon les actions qu'on réussit ou qu'on échoue, on a une note, voilà. Ensuite, on gagne des pièces qui vont nous permettre de payer des améliorations pour notre joueur. Ou des habits, ben, comme les habits que j'ai des Jazz, hein, c'est acheté avec des pièces hein, qu'on gagne en terminant les matchs. Donc là, pour le moment, on est dans une équipe de jeunes, les The Elites, je crois. Et on va déjà faire le match, on va essayer de donner le maximum de nous-mêmes pour avoir la meilleure note possible. Par contre, je vous dis, je suis pas un pro, hein. Je joue, ça va, on va dire que j'ai un niveau correct, mais faut pas s'attendre à ce que j'ai des A+ à tous les matchs. Hein. Cody Zeller. Donc par contre pour la longueur des épisodes je sais pas trop, je vais faire selon, genre s'il y a des jours ça pourrait être des épisodes de 30 minutes et des jours des épisodes de 1h30 je pense. C'est vraiment comment je me sens hein. Après si c'est un épisode d'une heure et demie vous pouvez vous dire ça fait le temps d'un film hein. Ou même c'est, vous pouvez le regarder en plusieurs fois hein, genre regarder 30 minutes, ensuite encore 30 minutes et les 30 dernières minutes voilà. Donc les Champs, Sports, Rookie, Showcase, voilà les Rookie Stars et les The Elites. Tout ça à New York. Vous pouvez voir, franchement c'est magnifique hein, je trouve. Hein. Ça j'aime bien, j'adore vraiment le jeu. Certes je préfère FIFA mais si FIFA pouvait avoir un côté scénaristique comme ça durant notre carrière, ce serait vraiment de la bombe quoi, de la frappe. On va laisser un peu les cinématiques. Hein. Bon, on va laisser les cinématiques, c'est un let's play. On est là pour se faire plaisir, pour voir du jeu.
check out our starting lineups. And guys, what are we going to be looking for in this one from Oladipo? He plays with a frenetic energy. Par contre, les matchs, j'ai pas fait gaffe à combien de temps ils duraient. Je vais jeter un coup d'œil à ça. Option. Paramètres de jeu, ben, c'est ça. Configuration du clavier, on s'en fout de ça. Manette sans fil. Profil de coach. Paramètres de jeu, non. Je sais pas où c'est. Hein. Ouais, parce que je sais pas combien de temps le match va durer. Victor Oladipo. He gets it done at both ends, fellas. The real deal, and I think he's got a really good future in the NBA. Allez, let's go. On va se concentrer là maintenant. Premier carton. Ah oui, donc en fait un match ça dure assez longtemps puisqu'un carton ça dure 8 vraies minutes. Bon, je sais qu'en réalité ça dure pas 8 minutes un vrai carton, mais dans le jeu, ouais. Donc, en gros le match, allez, ça commence 2 points. Donc le match va durer 32 minutes, c'est à peu près ça. J'étais prêt à prendre le rebond offensif si jamais il y avait besoin. Donc là, faut suivre notre joueur. Là, bah, c'est Jackson Ellis. En plus, on a le même numéro, 99. Voilà. Allez. On va essayer de marquer quand même quelques paniers hein, durant le match. What a great rookie year we saw from Deion Waiters. And playing in front of all these scouts, there's some pressure to that. Ah, ça va, franchement, si on met que des paniers à 3 points. They've been doing this for much of their young lives. And you know, when you talk about this showcase game, the question is always, how much should GMs weigh this single game versus a player's entire body of work? And I've sat in that chair, Clark, and I think the entire body of work is important. You can't, as a scout, 6 partout. Let one game really determine. J'aimerais bien qu'on passe un peu le ballon. Merci. Ça c'est cool. Ok, faute sur tir. Bon, c'est bien. Vous voyez là, en haut à droite, ça monte. Ah non! Ah voilà, réussite lancée franc, j'en aurais mis 1 sur 2. De toute façon, quand on loupe les deux, ben, ça nous fait encore perdre des points. Non, faut pas que Ellis touche. Ah ouais, il y a le Kinect branché. En fait, ouais, comme le Kinect est branché, là, ça va reconnaître les commandes non reconnues. Ouais, c'est pas grave. Hein. Si vraiment c'est trop problématique, je le débrancherai. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Passe-moi la balle, s'il te plaît, merci. Voilà, petite passe. Là, tu la remets. Non, il a pas le droit de louper ça. J'ai une magnifique passe, il me la remet parfaitement, mais... Mais non, 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 ça ne passe pas. Bon allez, là tu tires, je fais un petit rebond défensif, ce serait parfait. Hein. Sauf que Ellis va l'avoir avant moi. Non, voilà. Attends, ils ont mis faute technique pour grossièreté, ça c'est à cause du Kinect. Voilà, je l'ai débranché, ce sera mieux. Ouais, parce que ouais, c'est ça le Kinect, en gros, il reconnaît des insultes, enfin, soit des insultes. Parce qu'en fait, c'est ça, le jeu en anglais, par contre, tu peux dire putain, va te faire foutre, des trucs comme ça, je pense que ça va reconnaître ton insulte grossière. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon voilà, maintenant le Kinect est plus branché, voilà, on peut insulter maintenant, hein. Here's Ellis. Now the feed to Carter Williams. Oh là, faut pas qu'il passe par là, hein, parce qu'après, c'est pas bon, non, non, fais pas d'appel, laisse-moi passer, merci. Allez, on les bloque là, c'est assez serré pour le moment, mais bon, c'est que le début du match.
Voilà, tu récupères et on contre-attaque. Enfin, pas vraiment. Oh, le contre. C'était méchant, là. C'était méchant. Bah, passe-moi la balle, hein, que je puisse la donner. Ah, ils font que des fautes, hein. C'est pas cool. Donne-la-moi, vas-y, donne. Allez, encore un 3 points. On a mis 3 points, quoi. On a des bons tireurs. J'avais même pas vu où elle était, la balle, quoi. Ah voilà, bonne faute. Ouais, parce qu'il y a à croire qu'il y a aussi des bonnes fautes, hein. Il y a aussi des bonnes fautes. What do you guys think so far about the offensive approach for the elites? Well, they've definitely had the hot hand from the three-point line so far. Always nice to start out like that. Also, what passing we've seen from them here early. On va bien perdre ce match encore là. Allez, pour l'instant, j'ai mis un point, j'ai pris un rebond et j'ai fait une faute. Donc t'enlèves le S. Non mais oh. Donc ça, vous pouvez le voir en haut à droite et j'ai une note de C+. On va essayer d'aller dans le B. Allez, on prend le rebond, parfait. La petite passe qui va bien. Encore un 3 points. Ça, c'est parfait. Mais bon, on perd. Non, on gagne. Oh, non, ça, il va l'avoir. Ah, belle défense. Malgré que je prends le panier, belle défense. Allez, on passe en B-. Putain, ça fait plaisir. Par contre, il est pas foutu. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Il est pas foutu de la mettre, quoi. Ah là, je ne peux rien faire. Toujours le premier carton. Et là, maintenant, tu me la passes. Je touche pas beaucoup de ballons, moi. Tir forcé. Il était presque, il a tapé l'arceau. Et là, on prend le rebond. Et ben, il n'y en aura pas à prendre. Et ben, ils reviennent. 14-13, j'annonce. Là, tu me la redonnes. Allez, tu me la redonnes. Et cette fois-ci, je la joue pas perso. T'inquiète, je fais une passe. Par contre, ce serait pas mal qu'on me. Voilà. Allez, là, tu la mets. Parfait. Bon, si au moins, si on marque pas de panier, mais on fait des belles passes, c'est déjà ça. Et ben, 16-16. Et alors, tu me la repasses, allez. Encore un 3 points. Pas cette fois-ci. Arrêtez-le! Faut pas le laisser passer, hein! Allez là, tu me la donnes, vas-y, donne. Je connais pas encore le nom des joueurs. Allez, on tente le 3 points, non. C'est risqué, allez, on s'approche. Petite passe. Doubled by Carter Williams. 6 on the shot clock. Pulls up on the wing. Will not go. This is off the front iron. The Stars with the lead. Sortie de balle. Out of bounds. The Elites take possession. Well, that's inexcusable to throw a pass that far off.
Ok, donc là, on est sorti. On est au deuxième carton. Là, tu la repasses, voilà, un petit retrait. Voilà, petite passe. Là, allez, tu me la redonnes, tu me la redonnes. Before the game, taking pictures of you, my friend. You've reached celebrity rock star status, even in your understated way, man. Unbelievable. And really, New York. Ah, mon bloc, c'est que ouais. Bah, belle défense de leur part, hein. C'est que je peux pas aller sous le panier pour espérer prendre le rebond. On perd à 2 points d'écart. Que c'est pas énorme. Hein. On peut largement revenir. Là il va tirer, il va tirer. Là, il n'y a pas de rebond à prendre. Et ben maintenant ça fait 4 points. 4 points c'est pareil, c'est pas encore énorme. Et là tu me la passes. Voilà, merci. Tir forcé, tir forcé. Hein, disons. Ouh. Ouais. Allez, on prend le rebond. Allez, voilà. Très belle action, très belle action. Très belle action. Là, tu tires. Voilà, parfait, parfait. Là, on revient un peu dans le match. 5 points, 4 rebonds, dont 3 rebonds défensifs. On est en B, on est en B. Je sais pas si on aura le temps d'aller en A. Enfin, d'avoir une note dans les A. McLemore. Non, non, va pas sous le panier parce que s'il lui met, ça peut faire une belle passe. C'est ok. Bon, là, je prends aucun point parce que c'était pas à moi de tenir ce joueur. J'en prends aucun, j'en perds aucun. Ah, la petite passe. Et là, je sais pas ce que je fais. Ok, je la donne. Parfait, parfait. Voilà, 3 points. Allez, on revient, on a un point d'avance. Faut qu'on tienne. Ah, il est tout seul, mais c'est pas moi de le tenir. Hein. Là, tu prends le rebond. Encore 3 points. Franchement, on a vraiment de bons tireurs. Là, cette fois-ci, c'est nous qui avons les 4 points d'avance. Les 4 points d'avance, ouais. On peut gagner, hein. Faut pas faire de conneries. Vas-y, là, il va dunker. Pouh. C'est pas magnifique, mais c'est toujours ça. Allez, on a 6 points. Faut tenir l'écart, là. Je connais pas encore forcément toutes les touches, faudra que je me renseigne. Hein. Ah, ça a eu de mettre un 3 points, donc ouais. Non, 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 merde. Ça c'est un réflexe dans FIFA, j'ai l'habitude de passer en mitraillant le bouton A. Mais dans le jeu, quand on appuie sur A, ça fait un appel. Donc là, ça met mauvais appel et ça baisse ma note. Allez là, j'attends, c'est qui est le joueur que je tiens? Je ne sais pas, je vois pas son nom. C'est le numéro 1 que je dois tenir. Et ben on va tenir le numéro 1. Faute sans ballon. Ah voilà, c'est ce jour-là que je dois tenir Plumley. Enfin, je crois. Mais ouais, c'est celui-là. Allez, là on est sorti, donc on va certainement rentrer. Voilà, là c'est la mi-temps. On a un avantage de 8 points. C'est toujours ça, hein. on peut espérer gagner. Alors,
Général, échec d'évaluation sur 5 étoiles, 3 étoiles. 3 rebonds, 3 points, 4 rebonds, 1 contre, 3 en jeu, une équipe, 1 passe, 3 efficacité, 1 interception. Alors plus possession bien gérée en première mi-temps, moins offrez plus de paniers faciles à vos coéquipiers, prévision draft, et ben ça m'a l'air pas mal. Donc AF polyvalent, ailier fort polyvalent, enfin je pense. Début du troisième quart-temps, je commence sur le parquet. En fait, moi, les objectifs, je les fais pas trop. Hein. Pour ça, je prends même pas le temps de les lire. Allez, Burke, tu me la passes, voilà. Tendance à attirer la faute. Là, j'ai bien pénétré dans la raquette. Allez, on essaye de mettre les deux lancers francs. Hein. Parfait, réussite lancer franc. On passe bientôt en B+. Et voilà, c'est fait. On est en B+. À nous de tenir ensuite. B+, je pense que vous le savez, pour la plupart, A-. C'est le système de notation aux États-Unis, ça. Donc là, vous voyez, je le tiens bien. Vous ne passerez pas. Eh ben, putain, il a failli m'avoir. Belle défense quand même. Ouais, par contre, ouais, j'étais un peu en retard sur le contre. Là, tu me la passes, et moi, je fais une passe vite fait. Il y a eu un petit bug. Oh, contre raté direct. Belle défense quand même, ouais. Parce que j'essaie de contrer, mais le contre est réussi, mais c'est juste qu'il a, été meilleur que moi, donc je prends quand même les points pour belle défense. Non, sortie de balle, ça, c'est pas sérieux. Ah, ça va, elle est à nous encore. Ça va, si elle est à nous. Allez, là, t'as la balle. Là, tu la mets, voilà, bonne passe. Bonne passe, c'est parfait s'il y a bonne passe. Donc je vérifie que l'enregistrement audio marche. Normalement il marche encore, hein. Il marche. Ok, parce que là mon frère il fait un peu la régie. Ah, extrait déjà enregistré. Ben j'ai même pas vu ce que c'est. Donc là on est prêt à prendre le rebond. Et ben il y aura pas besoin. Allez, on a 9 points d'avance. Troisième quart temps. C'est pas terminé. Aussi l'ambiance du stade qui est vraiment bien. Non, en contre raté, non, ça me l'a pas mis. Non, ok, là je me suis troué. Laissez l'adversaire marquer, normal que je perde des points. Là je me suis littéralement troué. Allez, encore une passe. J'aime bien avoir la balle en fait. Hein. Voilà, mouvement amenant à un panier. Allez, le petit ralenti, on se fait plaisir. Ok, le gars il s'est écroulé par terre. Et là tu me la passes. Moi je passe là-bas. Parfait, ça c'était beau. Allez, on passe en A moins, on passe en A moins. Je voulais prendre le rebond. Vous pouvez pas me le laisser? Ouais, elle mérite d'y être. Ah, on en loupe deux d'affilée. Là, j'avoue que c'est un peu du perso, ouais. Ouais, je voulais absolument marquer des points. Ça va, 11 points sur 54. Ça va. Kicks to McLemore, four on the clock.
Laissez-moi les rebonds, s'il vous plaît, allez. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait la perdre. Là, t'as pas d'autre choix que de me la mettre. Non, ok, là encore, ouais, normal. Je joue trop perso, je vais faire un peu plus de passes. Oladipo, faute sur tir. Ah, t'es pas sérieux, ça a donné deux lancers francs pour Michael Carter-Williams. Enfin, je crois que c'est lui, hein. Je sais même pas s'il s'appelle Michael, mais je crois parce que dans une précédente carrière, il était dans le même club que moi. C'était avec les Jazz, les Utah Jazz. Allez. 9 points d'avance toujours. It's amazing when you're playing during a season, if you go through a stretch where you don't hydrate, it can have a major physical toll on you. Your body wears down quicker, you don't recover as fast. Oh, magnifique! Il l'a mis en arrière ou quoi? Pas de ralenti, dommage. Oh, il était beau celui-là. And let's get this update now from Doris Burke, who's across the way on the sideline. Hey, Kevin, during that last break, I heard the elite's coach as he addressed his team. Allez, on a encore un rebond. On est chaud bouillant. Passe décisif? Même pas. Passe amenant une faute. Allez, on prend encore des points. Ça fait plaisir. Non! Oh, loupe pas ton deuxième. Ah, je suis sorti. Allez, on rentre fin du troisième carton dans 48 secondes. C'est terminé. Ouais, là, je peux rien faire. C'est déjà bien si on est dans les A. On est déjà bien noté, on va essayer de garder ça pour le dernier carton qui reste. Merci de me la passer, voilà. Petite passe, tu me la remets? Oui ou non? Tu me la remets? Allez, vas-y. T'as pas d'autre choix là, tu me la remets, t'es bloqué, regarde, t'es bloqué, allez, tu me la donnes. Enculé. Bon mouvement du ballon, ok. Avec un peu de chance, on pourra même aller dans le A, on pourra même avoir la note A. McCollum. Allez, vas-y. Ouh, s'il la mettait au buzzer. Allez, on a 9 points d'avance à la fin du troisième carton. Faut vraiment garder cette avance pour remporter le match. Fin du troisième. Début du quatrième. And welcome back to the star-studded rookie showcase sponsored by Champs. The top draft prospects showing what they can do as we prepare for the draft. That's what it's all about, Kevin. I mean, that's why we're here. Sometimes agents want to hold their players out of a game like this. Allez. Great to see the top prospects show up and compete. Okay, now let's reset our lineups courtesy. Mais s'approcher. Ah, on essaye de défendre quand même, hein. Taking a look at the elites. The captain in at power forward. Caldwell Pope out with Larkin. Then it's Olynyk and it's Franklin in at the three slot. Larkin, the pass to the captain. Là, je sais pas trop par où aller. Pass to Larkin. Out left to the wing. Tendance à tirer faute. And so he draws the foul on the shot, a trip to the line to shoot two. Allez, on va mettre les deux. J'en mets encore un, je passe en A. Voilà, parfait. On passe en A. À nous de garder cette note. Donc la note maximale qui est A+, hein. Je le précise. Mohamed, c'est comme ça qu'il s'appelle. Allez, là tu tires, je prends encore un rebond. Et ben non. Parce qu'il la met. On a 7 points d'avance. Ouais, 7 points d'avance. On va aller là. Allez. Ouais, tir forcé, c'est vrai. Allez, c'est bien. Il a le rebond offensif et il la met. C'est parfait. Parfait.
Allez, nous, on va tout faire pour que le bon vieux Jackson Ellis ne marque pas. Alors là, là, c'est bien contré au bon moment. Parfait, franchement parfait, là. Il est tout seul, il est tout seul. Là, regardez, là on passe là-bas. Allez, on la met. Oh, franchement, ça, ça c'est du beau match. 17 points, aucune passe décisive, mais 6 rebonds. Après 46% des tirs, je sais pas trop si c'est bien, c'est pas top, hein, c'est sûr. To check in with Doris Burke. Doris? Well, over the break, I listened in on what the head coach for the Stars was trying to get across in their huddle. He got after them and told them to turn up the intensity, saying, we put ourselves in the corner and now we've got to fight our way out. Show me what you have, let's see if we... Non, il va lui donner, là. Non, il lui a pas donné. Si. Donc là, c'est pareil. Là, là, faut pas que je me fasse savoir. Laissez l'adversaire marquer. Wow. Ok, ils sont un peu sévères. Là, je vois, il y a... Ok, là, je me suis fait contrer. Ouais. En même temps, je veux peut-être... J'ai tendance peut-être à trop vouloir marquer, hein, c'est pour ça. Allez, là. Il y a un rebond. Ok, c'est pas moi qui l'ai, c'est pas grave. Tir forcé, ouais. Ça c'est sûr. Mais j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de solutions en même temps. Hein. In low to Ellis, battles through traffic and lays it in. And now just a 5-point elite lead. He kind of threaded the needle with that pass into the paint. Burke, the pass to the captain. Ah là, voilà, vous voyez, on fait un peu de passe quand même. Now, here's Oladipo, guarded closer. Voilà, faut du retir, on a encore des lancers francs. On a 5 points d'avance et il reste 4 minutes. Je sens que ça va être serré, mais on peut l'emporter. Le gars, il s'appelle Noël. Hé, Noël, c'est Noël. Ok, j'arrête tout de suite. Non, franchement, je pense que je vais annuler tous mes one-man shows. Je pense que ça fait pas beaucoup rire, ça fait pas rire beaucoup de personnes. Ok, je sais, c'est nul. C'est bon, j'irai m'acheter un humour demain. Si j'ai le temps. Non, on a eu de la chance, hein. S'il mettait le 3 points. Porter dishes to Noel. Oh, là on enchaîne les passes ou quoi? Ça se passe comment? Là va falloir tirer. Tu la mets? Parfait. Allez, on a 8 points, 8 points, 3 minutes 30. C'est tendu, hein, je trouve. Hein. Clark, they've been struggling here on offense. Yeah, a little bit of cotton mouth here. Dry spell for sure. Out to the wing. Poke loose. And McLemore kicks to Carter Williams. Non! Here's Ellis. Wow, on a eu chaud là. Putain, ce qu'il allait le mettre en dunk. Heureusement qu'il a fait une faute. Heureusement. Heureusement que notre cher papa Noël... Non, ok, j'ai... Heureusement que Noël a fait une faute. Ok, je suis remplaçant. Je vais peut-être rentrer, non? Ouais, ok, je rentre pour les deux... En gros, ouais, les 2 minutes 30 qui restent. McCollum kicks to Zhang.
Ah purée, ils sont à 4 points. Ils réduisent l'écart petit à petit. Time defensively because the ball continues to go into the post. Well, if they don't pick up the aggression, things are only going to get worse. And Oladipo kicks to Porter. Parfait. Bon, je pense pas qu'on aura A+, mais A c'est déjà très bien. Ensuite, je pense qu'on va attendre la draft, peut-être attendre de voir dans quelle équipe on est et on arrêtera cet épisode 1. Certes, il sera long. Non ! Il mérite d'y aller. En plus, je suis par terre là. Ok, on a eu chaud parce qu'il a failli la mettre et ça nous aurait enlevé des points. Allez, vraiment là, vraiment, faut montrer du beau jeu. Allez là, tu fais la petite passe, là tu me la donnes direct, non? C'est pas grave. Même pas des points pour belle passe. Allez, là tu la mets. Parfait, le 3 points. Yeah. Yeah, 3 points. Allez. Là c'est bon, on a gagné de sûr. Parce que en une minute, ils peuvent pas nous enfiler 9 points. Ça c'est. Ils peuvent pas. Ouais, là par contre, faudrait peut-être que j'aille au marquage. Ah ouais, là c'est sûr, je l'ai laissé marquer. En même temps, il met le feu, j'y peux rien. On a le droit d'être moins fort que lui, hein, non? Là, il suffit qu'on remarque et la victoire est assurée, hein, ça je vous le dis. Par contre, j'aimerais bien marquer, ouais, s'il vous plaît. Passe-la moi, s'il te plaît. Essaye pas, t'y arrives pas. Oh, GG. Je dis GG, il m'entend même pas. Ouais, donc là, c'est mon victoire assurée, ça fait plaisir. Je sais pas si on aura le temps de faire autre chose avec nos stats. Ouais, bah eux, ils vont marquer, mais... Voilà, c'est bon, vous voyez, il reste 24 secondes. Là, on va jouer le temps. Tu veux bien me la passer? Tu vois, voilà, on joue le temps, voilà. Passe-la moi, s'il te plaît. Voilà. Moi je vais le faire, voilà. Je vais jouer le temps et je vais essayer de marquer au buzzer. Par contre, je sais pas quand tirer pour la mettre au buzzer. Non, ok. Bon ben c'est terminé, mais pas l'épisode, le match est terminé. Victoire 80-73. Voilà, vous voyez 264 pièces de gagner. Et là on va voir ce qui se passe, certainement des petites cinématiques. Ouah, je suis fatigué moi, pourtant je dois pas être tard, doit être 5h, 6h. Hey man. Just wanted to let you know that that was a good game, even though I took care of business like I said I would. Man, you played all right, but you ain't proved nothing. Me and you just getting started. Got a long road ahead of us, baby. You got a long road ahead of us, baby. Voilà donc la draft. We gonna see on draft day, my man. Yeah, I'll be long gone, and you'll be still sitting there sweating. All those cameras focusing on you, asking you what went wrong. Hey, better start preparing for those tough questions ouais. Now. Man, you really living in your own little trippy fantasy world. I live in a wonderland. I have my own out there. Scouts know it's about more than just this game. All right? Yeah, looking all scared. Donc en fait voilà, je vais vous spoil, il y aura une rivalité entre ces deux chères personnes. On saura tous que Verdi sera toujours le meilleur joueur, voilà. Hey, at least you could tell your grandkids how you were the stepping stone.
on my way to greatness. Looks like you gotta catch up with the little man here. I'll leave you to it. Man, him again? This looks like a situation that ain't going away anytime soon. Yo, I'm sorry, man. I know I gotta control myself better with that dude, but he just gets under my skin, man. You can't do that, all right? When you get to the NBA, there's gonna be guys like that all over the place, man, just looking to get a rise out of you. If you can't learn to keep your emotions in check, man, you ain't gonna last long in the association. Yeah, I got you. Hey, man, look, man, forget about all that, all right? I'm trying to get info, right, from all the scouts out here tonight, all right? Now, tonight could have gone better, but seems like they're going to evaluate more than just this game, right? Including those intangibles. All right, so even though Ellis might still be ahead of you on the boards, man, you got a good shot of going in the first round. That's what I'm talking about, baby. Look, man, I'm just glad to get this game over, man. So much pressure. Bon, allez, finis, les cinématiques, ouais, sont des fois parfois un peu longues. Hey, man, speaking of that, we got plenty to do to get ready for the draft, all right? Domicile après la présentation des rookies. Before we get started on this pre-draft interview tour, we got a few things to go over. First, personnalité à te faire remplir. Personality test for you to fill out so they can get an idea of how you think, what kind of person you are. Test, man, come on. All right, man, before that though, let's talk about expectations. How you expect your NBA career to unfold? Right, we got to make sure we always on the same page when it comes to goals and expectations. Okay. All right, let's start with the where. If you had your choice to play for any NBA team, who would it be? Ouh, quelle équipe je choisirais? Franchement, moi, je vous avoue, j'ai aucune préférence. Je trouve que les Pelicans de la New Orleans, c'est stylé. New Orleans, c'est un peu français. Non, en vrai, je sais pas. On va mettre les Kings. Yeah, that's the one, baby, you know it. Yeah, that's the one, baby, you know it. Yeah, man, I figured you might say that, but you know, as your agent, I can't be assuming stuff. This'll help me though when I'm behind the scenes working on stuff. Okay, so what is the one thing that's most important to you? L'argent. Jouer collectif, entre le fame, gagner beaucoup d'argent, gagner à tout prix. Allez, on va mettre gagner. En fait, moi, c'est un peu gagner à tout prix, gagner beaucoup d'argent et entrer Hall of Fame. On va mettre ça. Donc, Hall of Fame, je crois que c'est la meilleure équipe de tous les temps, quoi. Yeah, man, we're done. I lined up a few interviews with some teams that were really showing interest in you, right? But before they talk to you in person, they want to get a feel of what your personality is like. So that's what that personality test is for. Alright, so let's take care of that and then we can head out. Alors, pensez-vous que le tir décisif en fin de match va vous revenir? Oui, non. Bah oui. Avez-vous le sentiment que le niveau de jeu de vos coéquipiers est de votre responsabilité? Oui. Lequel des propositions suivantes est la plus importante pour vous en tant que basketteur? Marquer, défense, marquer, on va dire. Préférez-vous que les joueurs annoncent les tactiques sur le terrain ou qu'ils demandent l'aide du coach? Les joueurs attendent la décision du coach. Acceptez-vous d'adapter votre rôle dans l'attrait de l'équipe? Oui. Entretien pré-draft aux Hawks d'Atlanta. Thanks for meeting with me, and I'll try to keep this brief. I'm the head scout for the Atlanta Hawks. We're looking to use one of our upcoming draft picks for someone who can help our franchise take. Là, y a pas de sous-titre, mais sera écrit ensuite. I'd like to ask you a couple questions to make sure. Here we go. What do you think you'll bring to a franchise as far as? Que pensez-vous pour apporter sur le plan commercial à une franchise? Une attitude de l'assurance, disons que je me concentre plutôt sur mon jeu. Ma personnalité, je m'entends avec les gens. On va dire, disons que je me concentre sur mon jeu. Honestly, I tend to shy away from the attention. I'm not a fan of the glitz and glamour, or the parties, or the magazine interviews, or the television specials, or any of that stuff. If you need a guy who's gonna get out in the community and make a name for the team, I really don't think that's me. I'm strictly focused on my game and the team. That's it. Next question. Being in the NBA brings a lot of responsibilities and some people just aren't ready for it, if you know what I mean. What are your plans once you get that first? Intégrer la NBA entraîne de nombreuses responsabilités et certaines personnes ne sont pas prêtes à y faire face. Si vous voyez ce que je veux dire, que pensez-vous faire de votre premier salaire?
J'aime le luxe, gâter mes proches, prendre soin de ma famille. Je n'ai pas encore bien réfléchi. Je me dis, j'aime le luxe, hein. T'en se faire plaisir. Premier salaire, ordi gamer, on s'équipe pour une gaming room. Let's see what else. I'm a huge shoe collector, so I can finally get all those old retro Jordan kicks. Man, I love those things. Cars, watches, whatever I want, man. If I put in the time in the gym and on the court, the world will be at my fingertips, baby. Well, I can see that we're not a match, unfortunately. Good luck to you, Andy. Utah Jazz. Greetings. I'm the director of player personnel for the Jazz. We're looking to use one of our upcoming draft picks for someone who can help our franchise take the next step. I think you might be that guy. I'd like to ask you a couple questions to make sure. Here we go. We realize that here in Utah, we don't have the appeal of a Los Angeles or a New York or a Chicago. We tend to look for players who would be proud to be part of this organization. Someone who can really take pride in being a member of the Utah Jazz. Someone who's willing to spend their entire career as a member of the Utah Jazz. Nous comprenons bien qu'à Salt Lake City, nous n'avons pas les mêmes atouts qu'à Los Angeles, New York ou Chicago. Ça, c'est sûr que la ville, c'est pas pareil. Mais nous recherchons des joueurs qui seraient fiers d'appartenir à ce club. Quelqu'un qui arborerait fièrement le maillot des Jazz et qui serait prêt à y passer sa carrière. Pensez-vous à cette personne? Je ne veux pas jouer. Peut-être, je m'en suis... Peut-être, j'en suis pas sûr. Ouais, parce que passer quand même une carrière entière au Jazz... Je sais pas. I really think I'd enjoy being a member of the Utah Jazz. It's hard for me to tell you right now that I want to play my entire career there, though. I mean, so many things can happen. So many things can change. I'm not saying that it's something that can't happen. I just don't want to mislead you. I would definitely love to be a member of your team. One more question, if you don't mind. Let's see. One more question, if you don't mind. We've lost a couple of key big men recently, but we still really like our foundation of Derek Favors and Enes Kanter. How do you see yourself fitting in with those two? Is there room for you in that? Nous avons perdu de précieux intérieurs ces derniers temps, mais nous pouvons toujours compter sur nos piliers Derek Favors et Enes Kanter. Pensez-vous pouvoir trouver votre place au milieu de ce solide duo? Pensez-vous qu'il y ait de la place pour vous dans cette rotation? C'est au coach de le dire, je pourrais commencer sur le champ. C'est au coach de le dire. It would be a challenge. The coaching staff would have to figure out how to best. Ça marche toujours l'audio, Alex? I want to be out there. OK, nickel. But if that means playing with a couple of other big men with a great deal of talent like they got, man, I can live with that. OK then. I think we got what we needed. Appreciate you taking the time to meet with us. Domicile après les interviews pré-draft. Man, you ready to talk seriously for a few minutes? Yeah, man, I figured you didn't just come over here to hang out like we used to back in the day. Yeah, not entirely, man. I mean, NBA 2K. I'll give you a little lesson in some NBA 2K later. You know, again. Whatever, young. Yeah, we definitely gonna have to get a game in, but hey, let's get that business out of the way first, all right? All right, man, look. I know that you've been asked to do a lot to get ready for this draft. Heck yeah. I mean, besides the showcase, you got workouts and camps and interviews. You handling it all like a champ, man. It's just one last piece we gotta sort out. What? Come on. What is it? Another private workout or something? Wizards, Rockets. Nah. Wizards. We done with workouts, Rockets, man. It's man. Nothing like that. Hey, look. We gotta get you a suit. A suit? Yeah. All right, I can live with that. Good, good, because you know how this draft is, man. I mean, everybody's gonna be watching you, so you gotta make a splash. You seen how players in the past went all out? Yeah. Harden. Man, Noah? Yo, Harden? Oh, yeah. Yo. Man, no one's forgetting that anytime soon. But hey, I can handle it. You know I look fly in whatever I wear, baby. That's up for debate. I got two words for you. Junior prom. What? Yo, I was styling back then, dog. Yeah, right. Styling. Come on, son. Oh, yo, I feel you though. So what's up? What we gotta do? Hey man, look, don't even worry about it. Tellement pauvre que je peux pas m'acheter un costume, quoi. Alright. Alors que j'ai l'air d'avoir un bel appart, quoi. Just to make sure you really stand out. But that's on you though. Alright, I'm gonna think about that. But hey, let's really get down to business. Alright. NBA
2K, baby. Oh, come on now. Yeah, I'ma whoop you, son. Yeah, right. That'll be the first. Cette console n'existe pas. À la limite, c'est des manettes de PS1. Don't be cheating either. Alors, boutique champ, mon joueur. Ok, il faut que j'achète un costume. Oh, lui, j'aime bien lui. Costume uni. Ouais. Non, déjà pas les trucs comme ça avec le petit gilet. Limite violet si j'étais au Kings, ouais. Non, lui il est classe. Ah, en fait, j'en ai déjà plusieurs. Ouais, bah allez. Petit bleu marine, cravate rayée. C'est vraiment classe. Voilà la draft. On peut voir Jackson Ellis derrière. En fait, le but de cette draft, eh ben, c'est de trouver un club et surtout faut que je sois pris avant Jackson Ellis. Parce que les meilleurs joueurs sont pris dès le début, quoi. Hey man, look, I talk to everybody I can. Everybody agrees you are locked for the first round, alright? It's gonna be one of those moments you remember forever, alright? So just relax, man. Enjoy it. Ouais. C'est ça, quoi. On va remettre un peu le micro. Voilà, c'est bien là le micro, je pense. Ouais, c'est nickel. Nickel, ouais, voilà, là c'est bien. C'est surréaliste. Ça fait partie du jeu. Regarde, le commissaire arrive pour le début de la draft. Allez, lance la draft. Good evening and welcome to the 2013 NBA draft. Tonight represents the culmination of years of hard work. Donc là, ça va être assez marrant. Vous allez voir les basketteurs arriver à côté de lui. Lui sera, il aura vraiment l'air bête, parce qu'en fait, il est tout petit, quoi. It's going to be a great night. I know the young men hoping to hear their names called tonight. Can't wait to compete against the best basketball players in the world. So let's get started. C'est les c'est Cleveland qui choisit en premier. Et ils ont choisi qui? Anthony Bennett. Donc les Orlando Magic, ils ont pris qui eux? Victor Oladipo. Donc il vient de l'Indiana. Washington Wizards. Otto Porter. Georgetown. With the fourth pick in the 2013 NBA draft, the Charlotte Bobcats, Cody Zeller. OK, les Bobcats. Phoenix Suns. The Phoenix Suns select Alex Len. From the University of Maryland. With the sixth Pelicans. Pick in the 2013 NBA draft, the New Orleans Pelicans. Yes, the New Orleans Pelicans select Nerlens Noel. Select qui? Nerlens Noel. Ah, le fameux Noel. With the seventh pick in the 2013 NBA draft, the Kings. The Sacramento Kings select Ben McLemore, qui vient de Kansas. Still nothing. I really thought they might have gone with me. Nah, man, they always looked like they were going in a different direction, man. Hey, your time's coming, man. C'est bientôt mon tour, ah bon? Je vais aller à Détroit, Pistons. Non. Peut-être au Minnesota Timberwolves. Enfin, je crois que c'est eux, là. Caldwell Pope. Ouais, c'est ça, les Timberwolves. Trey Burke. Allez, je vais quand même bien être pris au premier tour quand même. Les Trail Blazers. CJ McCollum. Toujours pas moi. Ouh, c'est quand qu'on va me prendre?
With the 11th pick in the 2013 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select... Oh, il a été choisi avant moi. Il vaut 76ers, je sais plus comment ça se dit, à Philadelphie, quoi. Ah, choisi avant moi, c'est pas top. Ouais, donc là, ce que je dis, il est vraiment tout petit, hein, le maître de cérémonie. On a plus choisi avant moi, ok, il a fait quoi? J'ai eu plus de rebonds que lui, il a dû marquer 3-4 points de plus que moi. You're gonna have the better career when it's all said and done. Man, I better. Otherwise, that dude's never gonna let me live this down. Yeah, man. I feel you on that. All right, listen up. I have a feeling we're getting close. Yeah. Et moi aussi, là, je le sens. Pour le prochain, peut-être. Ah, j'arrive pas. Ah, les Thunder. Oklahoma City, c'est ça, Alex? Lui, il connaît un peu mieux que moi. Donc, Oklahoma Thunder. Steven Adams, Pittsburgh. With the 13th pick in the 2013 NBA, the Dallas Mavericks select... Ouah, c'est jamais moi. Oh, si je suis pas pris au premier tour, j'ai bien la haine. Mavericks. With the 14th pick in the 2013 NBA draft, the Utah Jazz select... Shabazz Muhammad, donc UCLA... Los Angeles. With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select... Ok, je vais pas au Jazz, je vais pas au Bucks. Antetokounmpo. Ouais, parce que les Grecs sont bons hein, au basket. Hein. With the 16th pick in the 2013 NBA draft, the Boston Celtics select... Lucas Nogueira. Lucas Nogueira. Donc je ne vais pas non plus aux Celtics. With the 17th pick in the 2013 NBA draft, the Atlanta Hawks select Dennis Atlanta Hawks. Dennis Schroeder. With the 18th pick in the 2013 NBA draft, the Atlanta Hawks select. OK, je suis déjà pas dans les 18 premiers choix. Quand est-ce que je vais être pris? Peut-être aux Cleveland Cavaliers. With the 19th pick in the 2013 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select the power forward from France. Yes! Cavaliers. What I tell you, dog? Premier tour, ben oui, premier tour, ma gueule. Donc club actuel de LeBron James, mais sur NBA 2K14, il est encore aux Bulls. Oui, merde, au Heat. Putain, je confonds souvent les deux. Voilà, choix les Cavaliers. Premier tour, choix 19. Voilà, 18 ans, Sébastien Berdier. C'est parfait, ça. Même la petite casquette. Plus tard, cette semaine-là. Ça le fait pas trop, je vais avec ses habits des Jazz. Je vais me faire taper. Again, let me say how excited we are to have you a part of this organization. We had our eyes on you before the rookie showcase, and we were thrilled when you were still available at our pick. Thanks. Glad to be here. Can't wait to get started. Great. Well, we'll get to that, but we have a contract. On est d'accord sur les termes? Ou non? Yeah. Yeah. Good to go. Well, here's the official paperwork for you to sign, and while you do that, petite vidéo de bienvenue préparée par notre équipe de médias. Allez, balance. Welcome to Cleveland, Ohio. L'Ohio. North Coast. Situated on Lake Erie, Cleveland is a diverse city with a rich history and a wealth of festivals, great restaurants, and of course, the Rock and Roll Hall of Fame. The Cleveland Cavaliers have enjoyed success with stars like Mark Price, Brad Doherty, and LeBron James, and are looking forward to a new legacy of greatness. And now, time to meet your fellow Cavaliers. At point, Kyrie Irving, lui, il est trop fort. Break your ankles and drill a three on the same trip. An elite player. At the two, a player who can do all the little things out on the perimeter that help a team win. A true teammate in every sense of the word. At small forward,
Luol Deng. Connais pas. Enfin, je crois qu'il était dans la présentation des rookies également. Ah, Anthony Bennett. Yes, lui aussi, présentation des rookies. Anderson Vergeau, pound for pound, one of the best rebounders and defenders in the game. The Cleveland Cavaliers. Il n'y a que Kyrie Irving que je connais. Ah, j'espère bien. Yo, I'm ready to get to work. Just point me in a direction. Let's do this thing. I know the coaching staff is just as fired up to start training with you. In fact, they're waiting for you in the film room, so you better head over there now. All right, thanks, man. Looking forward to helping this team get some W's. Absolutely. And once again, thanks. Welcome to the team. Thanks, man. En route pour la haine. Donc là, ça va sauvegarder. Hein. Donc on va s'arrêter là. Non, Alex, quitte pas l'audio. Non, t'inquiète. On va s'arrêter là. Donc voilà, she got next. Sébastien est dans la place. Les paniers vont plus voir cette année. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Et ouais, ça va être énorme. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis salut à tous. C'est peut-être un peu long, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ne pas louper la suite de ce let's play. Moi, franchement, je prends du plaisir à faire. Hein. Et je vous dis salut.